Rose, dis, Rose, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? La sorcière, elle fait un truc trop bizarre depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais? Ah, est-ce que t'es dingue, Rose? Il est minuit, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, là, c'est tard. Vous devinerez jamais. J'ai inventé une nouvelle potion qui peut rendre les objets vivants. Encore une fois. J'ai rien compris. Une nouvelle potion qui sert à quoi? À rendre les objets vivants. N'importe quoi. Regarde. À rendre les objets vivants. Mais comment ça? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? En mode si t'arroses la plante, là il y a une vraie plante qui va. Là alors. Elle va être vivante. Avec ma nouvelle potion. Si t'arroses la plante, elle devient vivante, elle peut parler et tout. Exact. Bon, je l'ai pas encore essayé, mais normalement ça doit marcher. Attends, ça veut dire que tu vas rendre notre plante vivante? Oui, elle va même grandir. Et puis, tu vas voir, tu veux que j'essaye de rentrer? T'y crois? Ouais, bah pas du tout. Non, mais moi j'y crois pas du tout. Bon, salut les amis, on va encore tester une potion horrible de la sorcière. Ah, on verra bien. De quoi horrible? Je suis pas horrible. Bah si, pour moi t'es horrible. Bon, allez, on va voir si ça fonctionne ton truc. Éloigne le chat, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon le chat il va devenir géant. Il va commencer à parler, puis... Il va commencer à parler. Bon, allez, nous on s'éloigne. Ouais, parce que... Attends, on reste là quand même, parce qu'on va observer. Et vas-y, tu vas faire comment? Regarde. Vas-y. Il faut secouer encore un petit peu. Voilà. Ça marche pas ton truc. Attends. Ça va juste te faire une plante qui pue. Voilà, hé, tu crois que c'est instantané? Mais ça va pas la tête. Rose, viens. Viens. Non, on part, t'inquiète pas, faut attendre 5 minutes. Bon. Et vas-y, on revient dans 5 minutes. Ouais, mais ça va pas marcher. Et si ça a servi à rien, on la vire de chez nous. Ok, bah ok. Bon, allez, les amis, à dans 5 minutes. Bon, les amis, ça fait 5 minutes et vous savez ce qu'on a fait? On est allé dans la pièce de la sorcière et on a tout mis dans une valise parce qu'on est sûr que son sort... On est sûr que son sort va pas fonctionner et que du coup, ça aura... C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est quoi, ça? J'ai un peu mis trop de limaces dans ma potion. Comment ça, t'as mis trop de limaces dans ta potion? Regarde, ça marche trop là, ça marche trop bien. Mais ça a vraiment marché. Elle est devenue géante, la plante. Mais ça veut dire que la sorcière elle a bougé et il y a eu des sons bizarres qui sont sortis. Tu veux dire que la plante est vivante? Mais elle est une main. Ah, ça a marché. Ma potion est là. Attends, continue de l'arroser, Voilà. Non, mais elle a deux mains. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais c'est pas possible. Non mais c'est quoi ça? Mais regarde, cette potion là, elle est en train de marcher. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Ça peut rendre les objets et les arbres vivants. Ça peut rendre les objets et les plantes vivantes. Oh, écoutez, monsieur le buisson là, vous êtes bien vivant? Ah oui. Comment? Mais il commence à parler. Comment vous vous appelez? Ouais. Je m'appelle Dutron. Il s'appelle Dutron. Dutron. Bon bah écoutez, monsieur Dutron. Et c'était quoi la plante qui était là en fait? Écoutez, bah c'était une plante, je sais pas si une plante qu'on avait achetée. Bon, écoute, et si on a une plante vivante? Qu'est-ce qu'on fait? Merci, bah je sais pas. Faut peut-être les amis. Vous m'avez réveillé, merci les amis. Bon. Bah venez chez nous, monsieur Dutron. Oui, bon, venez monsieur la plante. Oh là là, qu'est-ce qu'on va en faire, monsieur Dutron? Je veux dire. Qu'est-ce qu'on. Ellie Rose, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va pas garder une plante vivante chez nous? Bah non. Attends, j'ai une idée. Bon, les amis, on peut pas garder une plante vivante comme ça chez nous. On va l'amener dans la forêt. Bon, la sorcière, c'est très gentil de nous avoir ramené une plante vivante. Mais du coup, on va la ramener dans la forêt. Ouais. Tu veux pas que j'essaye de trouver une potion pour les rendre comme avant? Non, on va la laisser comme ça. On va juste l'amener auprès de sa famille dans la forêt. Ouais, pas ici, pas par ici. Venez, amène-le dans le garage. On va le mettre dans le coffre. Oh, les amis. Pour une fois que la potion de la sorcière marche. Mais bon, je sais pas comment il peut réagir. Je sais. En plus, une plante de cette taille-là, mais il va boire toute notre eau. Allez. J'ai peur. Franchement, imaginez si la sorcière rend, je sais pas moi, notre micro-ondes vivant, notre machine à laver vivante. Imaginez ce qu'ils peuvent faire, quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais imagine si elle rend la voiture vivante. Elle va se mettre à rouler partout dans la maison. Ce serait trop marrant, là. Bon, monsieur, vous voulez aller dans votre forêt plein d'eau? Oui. Ok, ben on va vous rendre votre liberté, d'accord? Venez ici. C'est la première fois que mes potions, elles marchent aussi bien. Ah, ouais, c'est la première fois qu'elle marche tout court, ta potion. Ouais. Allez, bon. Non, mais là, elle marche trop, là. Bon, allez. Bon, d'habitude, vous allez bien. Regarde! Mais il montre les troncs, les troncs d'arbres. Famille! Comment ça, famille? Papa! Oui, c'est ses amis! Papa! Mais,
Mais oui, comme c'est un arbre, ça veut dire que les troncs d'arbre, c'est sa famille. Papa. Ah non, désolé, on voulait pas. On voulait pas. Non, non, c'est trop triste. On voulait pas les découper. On voulait pas. Non, je suis désolée. On voulait pas les découper pour notre cheminée. Vous... Papa, méchant. Mais voulait... et votre maman, elle est où? On voulait pas découper votre famille. Enfin, on voulait pas. On voulait pas vous faire du mal comme ça. Oh, mais lui, il est triste, on a découpé des arbres. Ah. Pour lui, les arbres, c'est. C'est sa famille comme ça, c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Tonton. Oula, tonton, mais non, 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 c'est pas tonton, c'est un tronc d'arbre. On a personnalisé votre petit frère. Non, c'est horrible. On peut pas lui faire ça. Écoutez, on va ramener ça dans la forêt avec vous. On va ramener les troncs et on va. Non, non, on va les planter, monsieur. On va les planter encore dans la forêt. On va faire des nouveaux arbres. Coupé. Vous aurez une nouvelle famille. Je vais vite faire une potion pour qu'il revienne petit, moi. Ah oui, oui, ramenez-le. Ouais, ouais, ah non, c'est vrai qu'on peut pas le laisser dans cet état, le pauvre. Oh merde. Forcément, il voit des troncs d'arbres. Il pense que c'est sa famille. On va le refaire revenir. Mais c'est pas sa famille, hein, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce que... Oui, vous inquiétez pas. Non, restez là. Non, non, restez là, restez là. C'est vous, retiens-le. Arrête de lui dire ça. Il croit que c'est sa famille, comme c'est du bois. Le pauvre, il va être triste. Oh bon. Non. Les amis, je pense que l'amener dans la forêt, effectivement, c'est pas une bonne solution. Bon, restez ici. Restez ici. Au milieu de la pièce, on va vous planter dans la terre. Ici, voilà. On va vous replanter dans la terre. On va vous... Il est aussi en bois, le skate. Ah oui, c'est bon. Bon. Oh là là. Ah oui, bah ça aussi c'est du bois, moi. Bah. Oh non, non, franchement, comme tout est en bois, on va avoir un gros problème. Ah bah oui, bah ça aussi c'est du bois. Bon, la sorcière, dépêche-toi. Allez, vite, 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 vite. Allez. En plus tout. Ah ouais, oui, c'est bon. Bah oui, c'est du bois. Hein. Nous les humains, on fabrique nos meubles en bois. Hein. Oui. Il est où? Bah il est là. Ça y est. Allez, vite, remettez-lui de la potion. Allez, allez encore. Allez. Voilà, ça y est. Mais je vois rien sortir. Vite. Voilà, c'est bon. Oula, c'est bon. Attends, on s'éloigne un petit peu. On sait pas ce qui peut se passer. Ouais, ça se trouve il va devenir encore plus grand là. Ah bah c'est bon, je pense. Ah c'est bon. Oh la pauvre plante. Ah bah c'est bon, elle est redevenue toute petite. Ouais. Ah non mais moi j'ai eu peur. Hein. Ah mais moi aussi, on a parlé à une plante là, tu te rends compte? On a parlé à une plante et elle était pas si petite que ça, franchement. Ouais. Bon, je suis désolé pour bah c'est vrai que tous les arbres bah forcément ils sont de la même famille. Ouais. Tu peux essayer sur la basket? Ah non, tu rends pas une basket vivante. Non, ça va aller. Peut-être que dans une autre vidéo, si vous aimez bien cette vidéo, les amis, on essaiera de rendre d'autres objets vivants. Ouais. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout aller voir notre site avec tous nos vêtements, l'album de Lily Rose. Et on se dit à la prochaine. Ciao.